Coupe du monde 2022. Le Qatar vient de vous faire sortir un ensemble de documents qui vous dit ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. C'est comme il dit, venez, faites comme chez vous, mais attention, vous n'êtes pas chez vous. C'est pas comme les Français. Ils disent à certaines personnes, venez, faites comme chez vous. Alors ces personnes-là, chez eux, c'est des voleurs. Quand ils viennent, ils volent, ils disent non, vous êtes des voleurs. Mais vous leur avez dit de faire comme chez eux, non? Bon, bref, je vous explique. Pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Qataris interdisent à toutes ces personnes qui viennent pour supporter et jouer de les voir avec une femme qui ne les appartient pas. C'est interdit. Au Qatar, les objets et où les... Pardon. Le message s'adresse particulièrement aux Camerounais et aux Français. Si vous voulez aller au Qatar, partez avec votre femme et partez avec tous les documents et les objets qui prouvent que c'est votre femme. Si vous êtes une femme, c'est la même chose. Ça, c'est pour les Camerounais et les Français. Pour les autres pays, je m'inquiète pas. C'est vous qui me tenez à cœur. S'il vous plaît, vous êtes prévenus. Parce que la sanction de ça, c'est l'emprisonnement et ou la lapidation. C'est interdit d'utiliser une femme qui n'est pas à vous au Qatar. L'usage de stupéfiants est également interdit. L'usage de stupéfiants est également interdit. C'est-à-dire que toute chose que vous allez consommer qui a un effet de dopalogie sur vous est interdit, comme des stupéfiants interdits. Vous pouvez seulement consommer la chicha. La chicha, c'est le seul stupéfiant qui modifie votre état, mais qui est autorisé au Qatar. Oui, la chicha est autorisée au Qatar, alors vous pouvez planer à la chicha, mais ne vous fracassez pas à la bière. Et encore, j'ai dit ça pour les Camerounais et les Anglais. Miskine, ne jouez pas avec ça. Vous risquez gros. Le football, c'est une fête, mais attention, au Qatar, vous n'avez pas le droit à tout ça. Attention, l'excès de vitesse est condamné à 7 ans de prison. Et c'est vrai, les routes au Qatar sont souvent en arabe. Si vous voyez un mot arabe et à côté il y a des chiffres algèbres, direct c'est les limitations de vitesse. Ne cherchez pas à comprendre ce qui est écrit, mais si vous voyez 7, 0, zig, 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 c'est direct limitation de vitesse. Si vous voyez 110, zig, 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 c'est direct limitation de vitesse. Je vous appelle à la prudence parce que l'excès de vitesse est puni au Qatar. Fini, les vendredis, c'est jour de prière au Qatar. Les vendredis, c'est jour de prière au Qatar. Même si vous n'êtes pas de confession musulmane, respectez le jour de prière au Qatar. Restez chez vous tranquillement. Ne vous pavanez pas dans les rues, blouga, blouga, blouga. En tout cas, c'est des conseils de savoir vivre. Ne vous pavanez pas, ne vous. Voilà les cris, les musiques, les rap, les chichas. Bon, ne restez chez vous tranquillement à votre hôtel les vendredis. Ne sortez pas, restez tranquille dans votre coin. Vendredi, c'est jour de prière. Ne faites pas les. En tout cas, ne faites rien. Voilà, restez où les mains. Oh, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo si vous aimez bien. Si vous n'aimez pas, likez, commentez, partagez. C'était Observateur.